Non, si tu as une conversation, Océane n'a pas envoyé de photos. Des fois, quand tu vois les photos, tu sais, les photos que tu vois d'Océane, là, c'est son compte Instagram. Quand son oncle pervers qu'il est va mater les photos, tu vois la photo là où elle est en rouge, là, c'est au mois de juillet, là, où elle est en robe rouge, là. Elle a eu son master au mois de juillet, là. On a même fait son master à la maison, et où elle est en rouge, là. Océane, ne crois pas, justement, la petite là. Justement, elle a toujours été c'est toujours rebellée, elle a toujours voulu éviter ce gars-là, qu'aujourd'hui, elle a fait confiance à son oncle Donidé. Donidé, le grand frère de Maggie. Quand Océane est partie à Braville, là, cet été-là, pour aller régler les petites situations depuis la mort de leur mère, parce qu'elle est venue se confier à nous ici, Océane se confie à nous. Elle m'a déjà expliqué qu'avec déjà le malaise avec Edgar, sans rentrer dans les détails. Donc, si Océane, en tant qu'enfant, et tout. Et puis ça a commencé juste après la mort de Serge. En tant qu'enfant, elle a gardé toujours pris ça sur elle. Et si tu vois bien dans les conversations, elle repousse son oncle poliment. Poliment. Donc elle est partie voir Donidé qui est censé être son papa aussi, qui devait la protéger. C'est-à-dire que en étant un père, un oncle responsable, faire asseoir Edgar, régler ça internement. Le problème, c'est que tu sais très bien qu'ils ont une guerre de clans dans cette famille-là. D'accord? Ils ont une guerre de clans. Océane n'a pas envoyé de photos. Regarde bien. Lui me dit, j'aime bien celle-là. Il leak ses photos sur Instagram. Océane, c'est une fille qui. Les photos, même, ça date il y a 3, il y a 4, 5 ans. Océane, elle a toujours été attirée par tout ce qui est. Quand tu regardes bien, c'est plusieurs photos. Il y a des photos. C'est fait studio. Ce n'est pas des photos qui sont faites par machin. Tu vois? Et puis, elle n'est pas complètement poil. Elle est légèrement machin. Mais c'est des photos qu'elle n'a pas envoyées. Lui, il leak. Il apprécie sa nièce. Relis bien, relis bien, bien, bien. Et puis sa nièce, tu vois. Donc maintenant, là où Denida a déconné, sa fille vient se confier à elle, lui montre les preuves de trucs. Peut-être qu'il a dit à la petite, ok, on va régler ça. Mais elle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fuiter l'information parce que, comme ça ne marche pas entre là-bas dans leur famille, pour atteindre Edgar et le président, parce qu'il dit Edgar, DDP dit le président. Mais sans penser qu'ils sont en train d'exposer l'enfant. Et l'enfant là-dedans, il y aura aussi au niveau des enfants là-bas, ça partira en live. Et les enfants qui sont jaloux de Sandra et d'Océane, parce que c'est le président qui s'occupe d'eux aujourd'hui, ça va créer beaucoup. C'est une bouillabaisse. Hier, j'ai parlé de l'intégration qui est sur le téléphone, là, il a pris l'avion. Elle m'a dit, Sandra, là où même Léa, c'était là, tout, 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 tout. Ça part en couple. Les vieux cadavres, même, vont être déterrés. Tous leurs incestes qu'ils ont fait entre là-bas. Sauf que Océane avait des preuves. Des preuves pour se couvrir. Tu vois? Mais aux yeux du monde, il y a des gens qui interprètent mal les choses, qui croient que c'est la petite qui cherchait. Mais toi, tu sais comment ça se passe chez eux? Quand le prêtre ne dépanne pas des fois, c'est l'oncle qui va s'occuper des enfants. Mais c'est l'oncle parce qu'il a le pouvoir, il a ce truc-là, en plus. Et tout, maintenant, dans sa perversité, cette pratique de sorcellerie, de perversité, là, il veut, en contrepartie, comme il allait vivre sur l'enfant, comme il veut bien donner l'argent à l'enfant, mais en contrepartie, que l'enfant lui donne ce qu'il veut. Récemment, elle parlait de ça récemment, qu'elle peut pas le voir. Et vite, je me souviens encore quand on nous dit pas l'enterrement de Serge, je m'a dit, ouais, toi, Océane, il faut le pas, machin, machin. Maintenant, je comprends pourquoi il y a le malaise là. Océane, ça fait un moment qu'elle évite ce gars-là. Elle évite ce gars-là parce que il est perverse. Parce que Océane, on était parti à Brazzaville avec une de ses copines. Une de ses meilleures copines, c'est comme sa soeur, elle m'a dit. C'est Sergueï à table ici, chez mamie là-bas, qui. On a envoyé sa copine, le DDP a couché avec la fille de l'ambassadeur du Congo à Genève là-bas et tout. Tout ça, c'est quoi? Parce que l'argent. Il a divisé même sa propre nièce avec sa copine, justement pour le. C'est vraiment compliqué. Là, ils ont toujours bloqué par rapport pour épouser les enfants, ils savent pourquoi. Mais là, on est en position de force, là, qui se passe là. Ça passe, arrêtez là, t'inquiète pas. Malheureusement, ça a explosé au vu de tout, dans le monde entier et tout. Oh, machin, j'ai dit, c'est bon, gars-là, enlevez les photos de ma nièce. Parce que ça prête à confusion, les gens croient que voilà, la fille, c'est une pute. Non, c'est pas une pute. C'est une petite fille, c'est une petite fille qui a les épaules sur la tête, la tête sur les épaules. Jusqu'à aujourd'hui, qui ne se remet pas de la mort de leurs parents. C'est encore tout frais, c'est compliqué, perdre
un père et une mère en l'espace de quelques temps, on sait comment, on sait c'est quoi perdre nos êtres chers. Et des gamines comme ça, là, une gamine comme ça, là, qui se retrouve dans ce genre de scandale-là, c'est grave. Non, mais t'inquiète. Là, je viens de voir maman, là. Mais comme je t'ai dit, depuis hier, on est dessus. Là, Océane était là il y a quelques semaines. Elle commençait déjà à expliquer certaines choses avant de partir. Le président lui-même, Denis Sassou Nguesso, était au courant de l'harcèlement de son fils auprès de sa petite fille. D'accord? Sauf que lui, il n'a pas géré cette affaire-là. Du coup, Océane, prise de colère parce que le gars insiste. Quand il dit oui, tu es arrivé, tu ne m'as pas géré. Tu vois ce que tu dis, tout est libéré. Il faut bien lire les messages. Océane n'est pas bête, hein. Serge a vraiment fait des enfants. Ses enfants ont la tête sur les épaules. C'est les filles qui sont posées. Tu vois? Donc, Denis en dit, OK. Comme il veut pas, comme le président n'a pas géré l'affaire, et Denis étant l'oncle d'Océane directement par rapport à Maggie, le grand frère de Maggie, ils ont, avec son monde et tout, je sais pas, sa femme et tout, ils ont dit, bon, OK, on va balancer ça sur les réseaux sociaux pour afficher au vu de tous, de le monde entier, ce que le gars a fait à l'enfant. Mais malheureusement, tu connais, il y a des gens qui retrouvent la situation à leur manière. En faisant passer la petite là de fille légère, alors c'est pas le cas. À cette heure-ci, je te parle là. Il y a déjà des gens qui sont formés contre la petite. Il y a des gens qui soutiennent le DDP parce qu'il est en train de nier. Là, au Sénat, à Brazzaville, à cette heure-ci, elle est très anéantie. Son nom Kiki, elle est sur le sujet, son nom Kiki. Donc là, ça pète. Quand je dis que ça pète, c'est en train de péter, ça pète grave. Toi, je crois que si Serge était en vie, Serge, que tu connais, il allait oser. Dès que Serge est tombé, il a commencé. Il n'y a pas père, il n'y a pas mère. Il peut faire face aux enfants des autres. Pourquoi il pourrait faire face à ses enfants à lui? Ils savent ce qu'ils font. Ça, ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ce n'est pas des pratiques, ça.